Canal Télé-Guinée, Kadil Jean-Lier. Chaque jour. Tout un jour à 4 heures. Le matin à 8 heures. À midi tapant. À souhait, 8 heures. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 heures d'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix montée, Kadil Jean-Lier. On est qui sont leaders politiques, posez tête nos questions. Gardez tout leader politique qui sur terrain. Nous allons garder eux, 100%. Gardez, nous comptons tout le monde, gardez. Pour qui ça on est qui sont leaders politiques, ils ont un parti politique d'elle. Pour qui ça a le peur dans l'élection. Indépendamment de ce qui se dit, de ce que vous voulez, il faut changer de constitution. On me parle de conseil électoral qu'on va créer, pour moi c'est passé. C'est pas le problème maintenant. Le point de départ, c'est la changer de constitution et on dira comment on va faire. Nous sommes entourés de groupes armés et nous sommes tous prisonniers. Monsieur le Premier ministre, tout le monde souffre et si les groupes armés n'ont pas encore exécuté un génocide dans le pays, c'est parce qu'ils sont encore des humains. La menace plane sur nous tous et nous devons nous mettre ensemble pour rayer ce mot. Il nous faut, pour redresser la sécurité, au moins un char d'assaut. Combien coûte un char d'assaut? Au moins deux véhicules d'assaut et un hélicoptère de combat. Dans deux semaines, nous mettons fin au désordre. Après tant de temps, quand on était supposé 7e président de l'IA, pour qui ça me dit 19e président qu'on a? C'est pour nous poser peut-être nos questions pour tout ça. Combien de présidents ont été tombés aujourd'hui? Alors je vous dis à ta chérie, je suis le président de la dernière transition. Je continue d'exhorter le Conseil de sécurité à autoriser le déploiement immédiat d'une force de sécurité internationale robuste qui viendrait assister la police nationale d'Haïti dans la lutte contre les gangs. J'appelle à la communauté internationale pour être prête à donner suivi à cette décision du Conseil de sécurité que je désire. En octobre 2016, l'ouragan Mathieu, ce monstre météorologique qui a balayé le Grand Sud, a emporté dans sa folie destructrice les locaux de l'École nationale du Cassé-René. Après ce temps sinistre, le corps professoral, le comité de l'école,
les habitants de la communauté se sont mis en mode de vigile en vue de sauvegarder l'école nationale du Casse-René. Ce qui a été fait. Nous sommes présents aujourd'hui pour contempler les heureux résultats de ce combat. Il est prouvé qu'une infrastructure scolaire de haute qualité facilite un meilleur apprentissage, renforce les acquis scolaires, réduit la négligence et même l'abandon. Une récente étude menée au Royaume-Uni montre que les éléments environnementaux et architecturaux des infrastructures expliquent 16% de la variation de la réussite scolaire. Vu que l'école est une institution sociale ayant entre pour mission d'œuvrer au progrès de la société et comprenant cette nécessité, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle via FNE a travaillé à la construction de ces bâtiments scolaires. Ainsi, nous ne saurions poursuivre notre intervention sans remercier le Premier ministre, Dr Ariel Henry, le ministre de l'Éducation, Nesmi Maniga, et le directeur général du FNE, non seulement parce qu'ils sont présents avec nous, mais fondamentalement pour tout ce qu'ils ont fait pour nous, pour donner à la communauté ces locaux scolaires. Journée 11 septembre, c'est un gros jour pour nous considérer comme ça. C'est un autre encore qui a inauguré l'école nationale René Ducasse dans la localité de Douche. Dans l'école, dans la communauté, c'est un outil de développement. Les charrières connaissances pour permettre l'intégration nous dans la société comme ça doit. Sans l'école, nous n'avons pas foutu développer pour dépasser tête. Qui donc, mettre l'école dans la communauté, c'est mettre base pour bon genre développement pays. Compatriotement, depuis la création FNE dans l'année 2017 et qui revient opérationnel dans l'année 2019, le travail ici là permet que nous arrivions à construire un ensemble d'écoles, rénovation. L'école nationale du Casse-René prend environ 2 ans pour construire et lui coûter l'État haïtien 54 640 325 gouttes pour 37 centimes. L'école ça est faite sur un espace qui mesurait 2875 m². Bâtiment a 14 salles qui divisé en 2 salles préscolaires, 9 classes pour 2 premiers cycles fondamentaux et 3 salles pour administration. L'école là va recevoir environ 450 à 500 élèves. Il y a 2 blocs sanitaires, il y a un espace pour gardiens et un réservoir qui a 3000 gallons d'eau. Pour les gens qui ne connaissent pas, la mission du Fonds national de l'éducation pour nous à travers le pays, c'est arriver à gérer l'argent qui pour financer le travail dans le secteur éducatif, au niveau de l'État central à la collectivité territoriale. Elle fait de là pour appuyer le ministère de l'Éducation nationale à la formation professionnelle, qui est le ministère lié sous l'obédience. Elle fait de prendre en charge dépenses dans le secteur éducatif, tant que frais scolaires, pour tout le monde dans l'école nationale. Il y a les personnels contractuels, cantine scolaire à travers le programme national cantine scolaire, si là, ressources FNE qui permettent de réaliser le travail. Ça. C'est taxe $50 l'État haïtien prend sous chaque transfert en majorité qui sortit dans la diaspora. C'est une occasion pour nous remercier, on le fait encore, compatriotes qui sont dans la diaspora, qui sont là-bas, l'autre bord. L'école nationale du Casse-René, c'est un premier pas. Reste à valoir dans la communauté de Douche, qui vous qu'aime l'école la propre, qui vous entretienne ensemble avec parents, élèves qui dans la communauté. Nous n'avons pas qu'à finir sans nous pas remercier FIM HTN, qui c'est ingénieur Wanla, qui fait de grands sacrifices pour arriver à réaliser le bâtiment. Ça. Nous-mêmes dans FNE, nous avons continué le travail, qui c'est supporter l'éducation dans tout le pays, qui m'a connu avec des visions. Renforcer l'éducation, renforcer la vie. C'est toujours un grand privilège pour chaque ministre de l'Éducation nationale, premier jour l'école, pour lui dire 2 mots.
Deux mots pas longs parce que discours officiel rentré à l'école, là, c'est pour le ministre qui est présent et qui prend le fait. En pile bagaille dit déjà. Et moi content que je dis 314 élèves qui inscrits dans l'école du Kaskwene, dans la communauté ça, y a l'occasion d'un bel local. Et depuis le premier jour, y a là. Dans ça qui te dit matin, m'a pas ajouté un point dans le programme gouvernement pour année ça. Et m'a dit directeur, pas oublier, tant qu'on nous dit ça, tout directeur de l'école nationale, pas oublier faire liste tout parent qui a un petit monde qui est inscrit dans l'école ça. Nom, prénom, prend information, yo, carte, yo. Prend téléphone, yo. Téléphone qui est inscrit sous nom, yo. Pour que le programme gouvernement mette en place, année ça, pour que les parents qui sont dans l'école nationale, communale, dans le pays, soient capables de joindre 15 000 gouttes dans l'occasion de l'école 2023-2024. Là. Initiative gouvernement a démarré déjà. Et nous souhaitons que la direction départementale Grand'Anse continue à faire effort pour que tout directeur de l'école nationale nous avance plus vite, plus rapide, pour que si tout ça arrive très vite dans poche maman avec papa petit. M'a blog, je me désire parce que discours officiel rentré pour le ministre va le faire. Même dans me rappeler tout. Je dis pendant 314 timoun gen chance pour là. Nous connaît tout et me souhaiter que nous gen solidarité avec ça qui poko à l'école pour différentes raisons. Mais que nous connaît que là et que nous travaillons pour que avant longtemps, sans ne pas perdre du temps, tout petit monde qui a droit à l'éducation, il est capable, tant que tout petit monde qui est dans l'école du Kaskwene aujourd'hui, le plus vite possible, il va reprendre chemin l'école. Je suis content en pile, aujourd'hui, venir dans la localité Doudouche, 3e section, Haute-Guinodé, commune Jérémy, pour participer dans la cérémonie lancement année l'école 2023-2024. C'est un gros jour, un grand moment pour nous, pour montrer nous l'importance de l'école tout partout dans le pays, avec l'importance éducation qui est une plus grosse priorité du gouvernement républicain. Moi content tout matin dans la Grand'Anse côté en pile gros écrivain marqué l'histoire pays a mais tout en pile des ministres éducation nationale tant qu'on honoré Ferry Élie Dubois avec Joseph Sébernard. Jeudi 11 septembre, non? C'est le premier jour ministère de l'Éducation nationale fixé rentrer l'école dans tout le pays. C'est un jour spécial dans la vie de tout élève, tout parent, côté tout le monde, tu as dû prendre l'école pour construire l'avenir grâce à l'éducation. À connaissance. Nous admettons que à cause de situation dans quelques zones, il y a un pile petit peuple là qui pourront aller à l'école semaine ça, à la semaine prochaine. Mais le gouvernement prend engagement pour tout le monde à l'école. C'est un jour spécial. Pour que la communauté qui nous dit et qui a donné des livres, côté gouvernement républicain, a inauguré deux écoles pour plus de monde qui a gagné accès à l'éducation, pour bien préparer l'avenir. Bref, profitez pour saluer
travail Fonds National Éducation qui avance pour augmenter la capacité de l'école publique dans le pays, et spécialement dans le Grand Sud, après tremblement de terre 14 d'août 2021, tant que le gouvernement a demandé. Qui t'aime dit nous clé, de septembre 2021 à Jodia, c'est 51 l'école que le gouvernement a construit. 8 déjà inaugurées. 17 a inauguré pour entrer de classe ça. Et 26 l'autre a fini dans le mois de décembre qui a fini là. Qui t'aime ajouter pour nous que FNE déjà réhabilité sans l'école. Pour journalistes, à l'autre monde qui besoin d'informations, liste là disponible pour vous dans FNE. Femme dit nous tout, partenaires nous, en particulier partenaires internationaux, ben nous y ont bon coup de main. Ils ont construit 84 l'école. UNICEF construit 48. Solidarité laïque 25. World Vision 3. Compassion internationale 4. Et Digicel 4. Gouvernement pas dormir. Avenir Timounio concerné. Pas gain avenir sans éducation. Ak la vie pas gain prix. Li blayi tout partout dans pays a. Et tout le monde doit comprendre nécessité pour protéger droit ça qui fondamental pour toute société. Gouvernement, pas oublier parents, directeur l'école, professeur et élèves qui dans situation difficile dans le premier jour de l'école là. Ça y est, à cause d'actes violence bandit, surtout quelque côté dans la capitale là et dans la Tibonite. Gouvernement a appuyé l'initiative ministère de l'Éducation nationale et partenaire pour activité apprentissage reprendre avant longtemps. De l'autre côté, gouvernement prend diverses mesures dans l'occasion de rentrer à l'école pour soulager maman et papa petit. Tout d'abord, nous faisons un programme pour environ 500 000 parents de l'école nationale, l'école communale, l'école communautaire. Puis on recevoir 15 000 gourdes en deux parties et le programme ça a déjà démarré. Plus passer 1 million livres à cahier exercice à distribuer dans 10 départements pour tout le monde. Qui est dans l'école l'État, qui est dans l'école privée, surtout ça yo qui dans deux premières années de l'école. Qui est scolaire avec uniforme pour le distribuer dans plusieurs écoles l'État. Programme cantine scolaire a augmenté dans plus l'école dans le pays pour aider Timounio à apprendre dans plus bonnes conditions. Nous profiter, remercier et supporter plusieurs partenaires tant que PAM, BID, Banque mondiale et Latrier qui appuyaient la politique alimentation et scolaire nationale là, qui chita sous plus produits locaux. Appui psychosocial pour élèves et professeurs côté ça nécessaire
pour situation difficile là en pile famille à traverser n'a bail si pas pour permettre Simonio continuer à apprendre tout côté à outils formation à distance tant que radio télévision à plateforme numérique journée aujourd'hui li important pour nous utiliser yo pour nous utiliser tous les outils la science permet pour nous accompagner Timounio et continuer à former enseignants. Mesdames, messieurs, permettez-moi en plus de chapeau bas pour les parents, pour tout sacrifice que vous faites pour Timounio. Même Jean m'apprend un petit temps pour me saluer pour tout mis dans l'école là, qui c'est directeur et enseignant. Yo. Pas gain éducation sans l'école, mais pas gain l'école sans professeur. Yo. Nous connaissons une situation difficile. Yo fait un pile sacrifice pour accompagner Timoun yo et jeune nous. Nous remercions et nous encourageons qu'il y ferme notre travail ça, qui pague le prix. Pendant le gouvernement a agi dans la tête collée avec le ministère sous dossier professionnalisation métier enseignant, quitte c'est dans disposition pour délivrer permis enseignant, quitte c'est dans disposition pour plus bien former et certifier enseignant. C'est vrai, nous vivons une période difficile, moyens limités, mais nous avons agi pour permettre aux enseignants d'améliorer les conditions de travail pendant que nous avançons à la réforme du système éducatif là, et puis travail pour améliorer les services pour les parents et les élèves. Le gouvernement de la République a passé instruction pour année ça. Éducation nationale à ONI prend toute mesure pour que tout élève ait cadre ni nu. L'île, l'étang, pour Haïti capable d'identifier toute petite lieu. Avec le projet Delidoc là, nous n'avons pas besoin de sortir juste Jérémy pour nous légaliser un diplôme dans Port-au-Prince. Que vous étiez Chili, que vous étiez en République Dominicaine, que vous étiez Miami, que vous étiez Jérémy, que vous étiez en Scrooge, que vous étiez Wanamet, diplôme ou yo, ou joignez yo en ligne. Moi, je dis, tout parent, tout étudiant, tout élève l'école, résistance. Nous comprenons que ce n'est pas facile. C'est vrai. Mais, force fait noir, pas qu'à empêcher nous arriver côté nous voulons aller. Pas qu'à empêcher tout le monde nous prendre route l'avenir. Moi, je voulais dire, aujourd'hui, quelle que soit catégorie à niveau l'école là, que ce soit scolaire, professionnel, université et la trienne, l'école qui c'est seul moyen qui baille pain l'instruction, c'est avenir nous. Pas quitter monde retirer droit ça nan même.
Là, on dit nous sortons l'école. Yo baillon couleur son. Plusieurs professeurs qui étaient là ensemble avec moi, yo étaient obligés de demander transfert. Malgré tout moi-même, moi bouché jeune. Moi j'étais là. Parce que moi pas de l'école la grâce. Dans l'année 2016, le cyclone Matthew vient passer, il détruit Caroline Net. Ancien directeur, M. Eric, et lui, il t'a fait des marches auprès de quelques 100 millions, il t'a permis de bâtir un hangar pour l'école de la TK. Bonne volonté du gouvernement, on s'en bat tous les jours, et on veut construire l'école. Tout de suite, après la mort, Jovenel Moïse, il était campé. Nous dit, bon, l'école du front n'a pas de chance. Après environ l'année, il retourne là-dedans. Et voilà, je dis, mes éons, mes clairs éclairés. Nous tous contents, nous dit, chapeau pas pour nous, messieurs dames. Mais laissez-moi dire, nous, messieurs responsables, nous connaissons combien de professeurs de travail, 3 graines seulement. Toutes les classes sont sous dôme. Nous demandons, nous t'en prie, ministre responsable, nous qui là, pour nous faire une façon, voyez les professeurs pour nous. Cette pibelle là, depuis le fait 10h, 10h30, il y a 11h qui souffle sous Timounio. Qui ça n'a fait pour résoudre le problème ça? Ballon en l'ambien. Il y a un bagage toujours qui bon problème, c'est la réunion directeur. L'arrivée autant de mes directeurs jouent. Eh bien, ça fait longtemps, en plus directeur à travail, il n'y a pas de lettre. Eh bien, monsieur le ministre, nous avons demandé de résoudre le problème pour nous parce que nous connaissons nous capables, nous avons volonté. Premier, spécialement Premier ministre.